Vous avez peut-être remarqué que dans ma vidéo où je filme la plus célèbre des bases secrètes américaines, la Zone 51, quand je rencontre le chasseur d'ovnis et que je vais dans sa caravane, à 11 minutes 18 secondes, on peut y apercevoir son setup ordinateur. Et là, on voit plein de photos et de vidéos d'ovnis, mais aussi le grand monarque, le Christ cosmique, l'homme vert, Sylvanus, ou encore Merlin l'enchanteur, j'ai nommé bien sûr Sylvain Dur. À 13 minutes 09, vous pouvez également voir un ovni passer dans le ciel. Et dans cette même vidéo, à 10 minutes et 23 secondes, juste ici, vous pouvez y apercevoir un extraterrestre. Évidemment, tout ça, c'est moi qui l'ai placé. Dans la vidéo la plus incroyable d'Angleterre, à 13 minutes et 45 secondes, vous pouvez entendre un thème de musique que j'ai rajouté au montage, qui est joué dans la map de Counter-Strike CS Italie. Référence totale à mon adolescence, j'ai passé des nuits entières à jouer à CS. Dans un volcan en activité, à 24 minutes et 18 secondes, vous pouvez entendre le célèbre son de Willem, utilisé un peu partout au cinéma. Ici, j'ai placé une référence à Jurassic Park, quand le méchant hack le système. Il y a un rat de Banksy sur la vignette de la ville au nom le plus long d'Europe. Ne comptez pas sur moi pour l'avoir appris après tout ce temps, j'arrive toujours pas à le dire, c'est imprononçable. Sur la bannière de la chaîne, on y voit le costume de l'homme caca, un pied, une licorne, mais tout ça, évidemment, vous l'aviez sûrement déjà remarqué. Et ce sont des petites choses. Non, dans cette vidéo, je voulais vous révéler un truc que personne n'a vu. Un truc qui était sous vos yeux pendant tout 2023. J'ai annoncé toutes les vidéos avant qu'elles soient publiées. Vous aviez accès à quasiment tous les titres, ou en tout cas les thèmes des prochains contenus. Je me dis que c'est peut-être pas assez clair ni concret ce que je suis en train d'expliquer. Donc laissez-moi vous montrer. Dans la première vidéo de l'année, les expériences paranormales de mes abonnés 16, à 1 minute 16, je cherche à me connecter à des Wi-Fi. Et dans les nombreux Wi-Fi disponibles, on pouvait lire ceci. 365 jours que cette caméra filme. Titre de la prochaine vidéo. Et dans la description de cette vidéo, on pouvait lire collection de pénis, qui annonce bel et bien la vidéo sur la collection des pénis. Et à 9 minutes 48 secondes, un écriteau indique dans un cinéma hanté. Et non, ce n'est pas le titre de l'œuvre, c'est le titre de la prochaine vidéo. Dans le cinéma hanté, il faut se rendre à 4 minutes 28 à l'endroit où je parle des archives du lieu et remarquer une phrase qui peut nous faire rappeler un concept qu'on connaît bien sur la chaîne. C'est quoi ces photos 5 ? Voilà, je pense qu'avec ces exemples, c'est beaucoup plus clair. J'ai essayé de dissimuler les titres ou des indices pour vous indiquer les prochains contenus dans les vidéos publiées. On continue. Dans C'est quoi ces photos 5, c'est ici qu'on pouvait lire le prochain titre. Là, vous allez me dire, ok, cool, mais ça va très vite. Il fallait être vraiment très observateur. Tu laisses que quelques secondes l'information. C'est vrai, mais pas tout le temps. Par exemple, ici, j'avais mis des photos en référence au projet, au thème, tout le long derrière moi dans la vidéo. Il y a Sly et Andrew Dawson. Une histoire folle qui s'est déroulée sur TikTok. Et dans cette vidéo folle de TikTok, j'ai annoncé un live. Alors ça, par contre, beaucoup de gens l'ont vu dans les commentaires. Hein, c'était assez grossier, ça détonnait d'un petit peu ce que j'expliquais, et les gens ont vu tout de suite que j'annonçais un live. Je vous le dis, j'ai pas réussi à annoncer la totalité des vidéos parce que c'était méga galère d'anticiper les titres et de savoir ce que j'allais publier. C'était pas toujours facile, donc il y a un ou deux trous. Du coup, on passe à la vidéo sur l'objectif vintage, et c'est à 3 minutes 17 secondes qu'on peut cette fois-ci apercevoir la vignette, ou plutôt la maquette de la vignette de la prochaine vidéo, la collection des flippers. Et dans cette vidéo de collection, c'est à la fin que j'avais placé un message caché à l'envers, et si on le remet à l'endroit, ça fait mes pires tournages. Et alors là aussi, pas mal de gens l'avaient déchiffré en commentaire. Parce que dès que ce sont des éléments qui sont un petit peu détonnent, là vous sautez, vous êtes au taquet. Petite anecdote cocasse, Christian et Kylian qui m'ont accueilli pour découvrir la collection, eux aussi avaient déchiffré le message caché de fin. Et ils m'avaient écrit, salut JD, super la vidéo sur la collection, merci beaucoup. Par contre, on a entendu un drôle de message à la fin. Mes pires tournages, ça veut dire quoi? Le tournage était nul? T'as détesté? Moi je reçois ça, je suis là, c'est pas du tout ce que vous croyez, attendez. Je vais vous expliquer, non ça n'a rien à voir avec vous. En réalité, j'annonce chaque prochaine vidéo dans les vidéos publiées de façon un peu originale. Et la prochaine vidéo c'est mes pires tournages, voilà pourquoi j'ai mis ce message caché à l'intérieur. Honnêtement je pense pas qu'ils m'ont cru, ils comprenaient pas de quoi je parle. Mais aujourd'hui grâce à cette vidéo, ils ont enfin compris que c'était la vérité. J'ai pas menti, c'était pour annoncer la prochaine vidéo les gars, vraiment mes pires tournages. Et dans sa description on peut lire, j'ai trouvé un étrange manoir. Ce qui ne correspond pas au titre final de la vidéo qui avait été publiée. Parce que parfois je change, mais voilà j'ai laissé le titre original que j'avais placé et il y a quand même l'idée de base sur la prochaine vidéo quand même. Je n'ai pas annoncé la nouvelle vidéo dans les zones radioactives de Fukushima, mais par contre dans le Fantasma avec Feldup et Becca au château Puy-Martin, enquête trop cool. Pendant que je vous raconte la légende, le moment magnifique illustré par Camille, si vous regardez bien une illustration bien précise, on peut voir apparaître FAQ.
Et ça, croyez-moi, c'est pas de l'appareil de lit. Et nous voici donc dans une belle vidéo foire aux questions où je réponds à vos interrogations. Et c'est la dernière vidéo avant mon challenge 2023, une vidéo par jour en octobre, le calendrier de l'étrange. Et ce projet, je vous l'annonce dans ma vidéo fac. Tout le long, à 6 minutes et 59 secondes, à 8 minutes et 0,7 secondes, à 9 minutes et 56 secondes, à 12 minutes et 0,2 secondes, à 13 minutes et 34 secondes, enfin il y a d'autres endroits, mais un peu partout, on pouvait lire sur mon t-shirt 31 contenus en octobre. C'était écrit sur mon t-shirt en latin, certes, mais c'était écrit. Par contre, dans le mois d'octobre, c'est 31 contenus, j'ai pas pu annoncer, c'était impossible, c'était déjà tellement le bordel de finir à temps et de réaliser toutes ces vidéos, une vidéo par jour, que là je me suis stoppé au terme d'annonce. Par contre, j'ai placé des petites références et des petites choses un peu marrantes tout au long des vidéos. Par exemple, sur la vignette de la deuxième vidéo du calendrier, la caméra dans la grotte, vous pouvez admirer des griffures qui font référence au lynx qu'on va filmer. Dans la vidéo des histoires paranormales avec les abonnés nouvelle version, on peut y voir une cassette VHS de Blair Witch, un jeu Half-Life et un Game Boy, trois objets qui ont marqué mon adolescence. La poupée soviétique que je présente dans les jouets flippants est une référence à mon exploration sur l'île d'Ashima. Merci beaucoup pour tous vos retours. La grotte que je reviens visiter 20 ans après, à 9 minutes 25, mon écran caméra affiche 666 minutes. Et ça, à plusieurs reprises. Ici, la réplique d'Annabelle annonce le design fantasma. Dans la vidéo des lieux hantés 2023 à 10 minutes 13, tête de la poupée qui bouge. Évidemment, c'est un effet au montage. Il existe une deuxième fin alternative au caméo d'Amixem. Une deuxième fin où le lien est disponible dans la description. Et beaucoup de gens l'ont trouvé. C'est une fin un peu différente où Maxime se casse et laisse tourner la vidéo. Et peut-être qu'il se passe des choses dans le bunker. La caméra automatique laissée dans la zone de Fukushima. Sur la vignette aussi, on peut y voir un spoil. Une main de singe. Et plus précisément, une main de macaque. Et ça, j'ai bien fait chier. Théo pour la vignette. Non, tu voulais prendre une main de singe normal. Moi, j'ai dit non, tu mets une main de macaque japonais. Voilà. La vignette avec le règlement sur les histoires glauques de la musique. Il y a plein de petits détails. Une vidéo d'ailleurs qui a complètement floppé, qui a interdit au moins 18 ans, démonétisé. Toutes les restrictions possibles que j'avais jamais eues avant ont été placées sur cette vidéo, donc elle n'est pas beaucoup vue. On raconte d'histoires un peu horribles, donc je comprends pourquoi YouTube a dit non, ce contenu, on le met pas en avant. C'est dommage parce que à l'intérieur de cette vidéo, j'avais placé un message caché qui révélait tout le projet. J'ai caché des trucs dans mes vidéos, je vous en parle bientôt. Elle était très chouette à faire. En juin 2023, on pouvait déjà savoir quel fantasma j'allais poster pour Halloween. Car Steve Ronin, un vidéaste explorateur, nous a placé dans sa vidéo qu'on a croisé là-bas sur place. Et on peut nous voir avec Tev, donc forcément, il allait avoir une vidéo. Voilà, ça c'était pour le calendrier de l'étrange. Et pour finir, dans ma vidéo sur l'île abandonnée dans la voie historique, vous pouvez voir le grimoire. Un grimoire ici que j'ai placé. Ce livre fait référence à ma vidéo des objets d'horreur de luxe. J'ai acheté un bouquin pour écrire toutes mes idées et tout ce que je vais faire en 2024, un grimoire. Mais finalement, j'ai inversé les sorties parce que j'avais pas terminé mon montage sur l'île. Voilà. Voilà le résultat. Bon, bah voilà, c'est dit, vous savez tout. J'adore faire ce genre de choses et pour de vrai, je me réjouis de voir vos réactions dans les commentaires. Très important. Il y a un truc très important. Très important. Sachez que je ne vais absolument pas refaire la même chose cette année. Ou en tout cas, cette année, je ne refais pas ça. Parce que c'est beaucoup trop galère à anticiper et surtout je l'ai déjà fait, donc ça n'a pas de sens de refaire deux fois la même chose. J'aime bien changer à chaque année, faire un truc un petit peu différent. Voilà, ici je vous place une vidéo qui peut potentiellement vous plaire et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.